السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم يوسف دهلان من خلال الشاشة المتميزة جوكم انك تيفي عبر اليوتيوب. سوف أقدم هذه الخدمة خاصة بالنسبة للتلاميذ الأعزاء أولى بكالوريا استعدادا للامتحان الجهوي المقبل 2020. نتمنى لهم النجاح والتوفيق في هذه السنة. إذن سوف نقوم بالشرح المزدوج للرواية الشهيرة بطمة بيض أحمد صفروي، ولا ننسى كذلك الرواية أو القصة أو المسرحية الشهيرة لجون ألفيل أنتيغون، وكذلك الرواية الشهيرة لفيكتور هوغو لداني جو كونداني بشكل سهل وبسيط. ولا ننسى شرح بعض استراتيجيات لإنشاءات اللغة الفرنسية، وكذلك إعطاء بعض الأمثلة وشرح لجميع الدروس اللغة الفرنسية التي تبدو صعبة الأغلبية التلاميذ الأولى بكالوريا. cours de langue. Bienvenue mes chers élèves de premier bac, je suis Yusuf Dalal de la chaîne Je Communique TV sur YouTube. Alors je vous offre un service en exclusivité bien sûr sur notre chaîne. Il s'agit de succès bac 1. Après un grand succès sur Facebook, voici donc YouTube. Alors on va voir une explication bilingue, ça veut dire deux langues, de l'arabe et aussi de français, pour mieux comprendre La boîte à merveilles d'Ahmad Sfouri. C'est un roman autobiographique. Et sans oublier bien sûr John Alouil, Antigone, c'est une pièce théâtrale vraiment tragique. Et Le dernier condamné, c'est un roman à thèse. Il s'agit de l'abolition de la peine de mort en deux langues, l'arabe et aussi le français, en exclusivité. On cherche toujours l'excellence, mes chers amis, mes chers élèves de premier bac. Sans oublier, bien sûr, les fameuses stratégies pour avoir une bonne note dans la protection écrite et les astuces. Quelques astuces de cours de langue, quelques explications détaillées, les plus difficiles des cours de langue, comme exemple de figure de style, etc. Alors tout cela réservé uniquement pour le premier bac, en exclusivité bien sûr sur notre chaîne Je Communique TV. On cherche toujours l'excellence et la réussite aussi. Alors succès bac 1, de retour maintenant sur YouTube pour avoir un bon succès pour tout le monde. C'était avec vous Youssef Dalal de la chaîne Je Communique TV. Au revoir.